Voilà, on se retrouve après la projection de ces trois films, donc Simon at the Crack of Dawn, qui date de 2017 et non pas de 2009, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, L'avenir le dira, et La cabane de Dieu. Donc je suis avec Vincent Barré. Bonsoir Vincent. Bonsoir Christian. Pierre Creton, bonsoir Pierre. Bonsoir Christian. Et Cyril Nera. Bonsoir Christian. Bonsoir Cyril. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était une séance pensée par Catherine Blangonnet dans un autre contexte qui je crois devait avoir lieu en novembre qui n'a pas eu lieu pour les raisons que l'on sait et qu'elle nous a demandé de replacer au cœur du festival du cinéma du réel puisqu'on a décidé de faire une introspective Pierre Creton et Vincent Barré. Et Catherine n'est malheureusement pas parmi nous ce soir puisqu'elle est souffrante. Mais on pense à elle et donc on va essayer de faire cette discussion un petit peu comme... on va improviser quelque chose autour de ça. Et j'aurais voulu commencer par le dernier film, donc La cabane de Dieu, puisque tu disais, Pierre, que c'était un film qui était exhumé par Catherine Blangonnet. Alors je ne sais pas si tu as envie de parler de tout le cheminement, enfin du fait que c'est un film que tu n'as pas vraiment terminé à l'époque où tu l'as entrepris, mais bien plus tard. Pour quelles raisons ? Est-ce que tu veux vraiment parler. Voilà. et pourquoi il a été exhumé par Catherine Blangonnet et comment ? Catherine avait projeté L'heure du berger dans un programme qu'elle avait appelé Filmer l'invisible, je crois, qui avait eu lieu ici, au Centre Georges Pompidou. Et puis, alors c'était il y a une dizaine d'années, et puis Catherine Blangonnet m'a contacté parce qu'elle voulait refaire un programme de... Elle voulait montrer L'avenir le dira, qu'elle venait de voir, et elle voulait remontrer La cabane de Dieu qu'elle avait vue disparaître de ma filmographie. Alors c'est un film qui a été terminé hein, à un moment donné, qui a été montré, qui était destiné en fait à être vu à la galerie Marcel Duchamp à Yvetot, avec un ensemble de dessins et d'installations et d'objets. Et puis, il a dû être montré une fois au 104. Cyril ? C'est fort possible. Avec L'heure du berger. Oui. Je pense que c'est peut-être toi qui avais fait ce programme. Tu dois avoir raison. Et donc Catherine l'a vu là. Elle avait envie. C'est un film qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait envie de remontrer. Et moi, j'étais pas content de ce film. Je voulais plus le montrer, mais j'avais toujours eu parce que c'est un film que j'ai fait sur un lieu auquel je tiens beaucoup, où je vais beaucoup, qui est très très important. Et j'avais toujours idée de le reprendre. Et Catherine, du coup, a déclenché ce moment, cette possibilité de revenir sur ce film. Alors, je suis allé rechercher ma vieille caméra DV pour repartir sur le même support, le même format, la même image, la même texture. Et alors donc je suis allé rechercher des images que je n'avais pas gardées, des plans que je n'avais pas gardés dans le premier montage, et puis filmer des nouvelles choses. Voilà. Qu'est-ce qui te chagrinait à ce point-là dans le premier film que tu avais bel et bien terminé? Moi, je pensais qu'il était... Oui, c'était un film C'était quelque fini. Chose qui était resté en suspens. Et qu'est-ce qui... De quoi n'étais-tu pas content à ce point-là? Eh bien, je crois avant tout que j'avais fait l'erreur de demander à quelqu'un de,
de m'interpréter d'une certaine manière, si on peut parler d'interprétation. Et je crois que ça n'était pas juste, c'était pas possible. En fait, c'est un film quand même très bon, alors je sais pas, autobiographique, très intérieur, qui part d'une expérience vécue. Et donc je suis revenu à l'image. Cyril, tu dois être une des rares personnes à avoir vu les deux films, t'imagines ? Effectivement, et je suis très reconnaissant à Catherine de t'avoir sollicité, parce que je crois elle comme moi un petit peu insatisfait de la disparition de ce film, parce que ce film sur la géographie de ton cinéma et la géographie intime aussi de ta vie, on sait bien que les deux sont très mêlés évidemment, est très important. Enfin, cette cabane dans ce bois, c'est une polarité de ta vie et de la manière dont les films aussi jouent de la vie, qui est importante et qui vient. Et le film tel que tu l'as retravaillé grâce à Catherine, je trouve, moi j'aimais bien le premier, mais là c'est tout autre chose. Parce que c'est toi, effectivement. Et parce que il fallait que ce soit toi. Et parce que c'est toi, du coup, le film apparaît aujourd'hui comme une espèce de double, de jumeau un peu sombre de L'Or du Berger. Et ça, c'est. Les deux films composent une espèce de diptyque très étonnant. Il y a la maison de L'Or du Berger, ta maison, qu'on a vu dans beaucoup de films. Et là, il y a la cabane, cette petite maison, qui n'est pas dans le village, qui est dans un bois. Donc la cabane qui est le lieu d'un secret. Alors, d'un secret que tu avais juste effleuré dans le premier film, qui avait été l'objet ensuite d'un texte très important, de ton premier texte, je crois qu'on peut dire, que tu assumais vraiment comme écrivain, qui s'appelle Une honte. Un texte paru aux éditions Le Gac, grâce à Judith Abinsour et Thomas Bauer. Un texte magnifique où tu pars d'une photo, une photo de chasse, prise quand tu étais enfant. On te voit sourire devant, caressant un chevreuil mort, avec ton père, ton oncle, enfin la famille qui rentre de chasse, satisfaite du massacre, et ton sourire. Et tu as engagé un travail littéraire magnifique que tu as titré « Une honte ». Pour précisément commencer à travailler cette espèce de secret comme ça, de lien très trouble et très important entre une espèce de relation érotique à la figure paternelle et la chasse, donc le massacre des bêtes, quelque chose qui a fait que tu étais végétarien, etc. Et tout d'un coup, la seconde cabane de Dieu, le second film, peut-être parce qu'entre-temps tu as écrit Une honte, fait advenir ça très clairement. Et le film commence par ces plans sidérants de la chasse, de la curée, quoi. Je sais pas, les pattes du chien que le sang rougit de plus en plus. Et le film se termine par une autre photographie de chasse, de ton père, de ton oncle, j'imagine, les mêmes personnes sans doute, avec ce gyrophare rouge qui vient signaler que là on touche à quelque chose de très important. Et à propos de la cabane, je crois que tu parles de studio de cinéma aussi. Il y a ce plan qui est le plan sur lequel s'inscrit le titre du film, qui est un plan zénithal, fait depuis les frondaisons du bois, je sais pas, on sait pas trop. Dans lequel cette cabane apparaît, enfin moi m'est apparu, mais très très évidemment, comme la Black Marais d'Edison, donc le premier studio de cinéma d'Edison fin 19e, qui était cette espèce de cabane de bois comme ça, de planches de bois. Il y a quelque chose d'une je sais pas si toi tu l'avais ce plan, tu l'avais pensé comme ça, mais c'est évident que cette cabane, comme la maison, est un studio, c'est ton studio. Pas filmé en y pensant exactement, mais c'est apparu très immédiatement. Non, peut-être pour tirer ce fil comme ça du rapport de la cabane de Dieu à L'Or du Berger, mais aussi c'est quelque chose qui réunit les trois films de la séance, je crois. C'est une dimension fantastique, évidente, mais fantastique au sens des fantômes, des apparitions, mais en un sens peut-être plus précis et plus essentiel pour toi, qui est cette espèce de courant de vie qui relie les vivants et les morts.
qui va, voilà, qui passe par-dessus la mort, par-delà la mort, et que le cinéma matérialise. Enfin, ce courant de vie auquel les, voilà, les films donnent existence et qui est une puissance fantastique d'acceptation de la mort et de refus de la mort et de continuation et de... On en parlait, il y a quelque chose d'une force de métempsychose. Hein. Comment, comment une âme, enfin une énergie comme ça, passe d'être en être. Comment ça se réincarne. Ça se réincarne. Et c'est ce qui est très très beau dans cette nouvelle cabane de Dieu. C'est... La première cabane de Dieu était comme un tombeau d'un de tes chiens, de Jua. Et dans la nouvelle cabane de Dieu, il y a Ordette, qui est un chien, voilà, ton chien actuel, qui ressemble étrangement à Jua, enfin, qui a quasiment la même couleur en tout cas, et qui est dans le film, qui est vraiment. Il y a toi jeune, toi plus âgé, il y a Jua et Ordette, encore une fois, cette affirmation d'une espèce de puissance fantastique de vie après la mort, pour reprendre le titre d'un de tes premiers films. Presque d'univers parallèle aussi. On met Lynch un peu à toutes les sauces, mais moi j'ai pensé aussi à Twin Peaks en fait, avec cette enfin, ce passage dans la forêt avec le rideau rouge, etc. Enfin, moi j'ai vraiment, je me suis dit, c'est le film lynchien de Pierre Creton, même si c'est deux univers a priori très très éloignés, mais il y a quand même quelque chose de ça, quoi. Je sais pas si tu... Eh bien, c'est un film très très sombre quand même, enfin, dans ta filmographie. Est-ce que t'es conscient de ça au moment où tu le faisais ? Oui, sombre, mais pas seulement. Jua, effectivement, qui est présent dans les deux, m'a paru du coup presque plus vivant dans le second que dans le premier, alors dans la cabane de Dieu, alors qu'il n'était plus vivant lors de cette deuxième version, du fait d'avoir retrouvé des images, un plan que je n'avais pas monté, que je n'avais pas mis dans cette première version. Et qui, je ne sais pas pourquoi je ne les avais pas mis, mais c'était, c'est sûr, le plan le plus beau que j'avais pu faire de ce chien. Et alors, pourquoi je ne l'avais pas mis dans cette première version ? Peut-être ces images attendaient une deuxième version. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé avec les images de mon père que j'ai filmé mort, ou des essais caméra comme au début du Berger, ou qui n'avaient pas été destinés pour un film. Et je crois que les images peuvent prendre une certaine épaisseur si on les oublie. Enfin, c'est exhumé à nouveau, quoi. Avec le temps, peut-être. Avec le temps, peut-être. Passer dessus. Enfin, c'est sûr, de toute façon, qu'avec le temps. Ouais. Avec le temps. Ce plan, c'est le portrait du Jua, le plan serré magnifique. C'est ça, absolument. Mmh. Un portrait de chien. Un portrait de chien. Et le tout premier plan dont parlait Cyril, qui est très très violent sur le. Enfin, je crois que c'est le tout premier plan, non ? Oui. Un plan que j'ai filmé sur le chien et le renard. Enfin, le chien qui. Bah, c'est une séquence aussi qui n'était pas dans la première version. Ouais. La première version commençait aussi comme une ouverture. Par une partie de chasse que j'avais filmée un peu toujours chez les mêmes chasseurs qui sont ceux de Vatoto. Et c'était... j'avais utilisé des effets, je les avais virés sépia comme une sorte de retour en arrière. C'était pas très bien. En y revenant, je me suis rendu compte que ce n'était pas très bien. Et c'est aussi une séquence que j'ai retrouvée, que je n'avais pas utilisée. Et cette chienne enragée, quoi, qui... La mort ne suffit pas, quoi. La mort ne suffit pas. On sent qu'elle en veut plus, quoi. Elle en veut plus. Alors évidemment, elle est dressée pour ça. Les chiens, naturellement, ne sont pas comme ça. C'est impossible. C'est le dressage qui produit ça.
Et c'est ce qui était vraiment... Je ne sais pas comment je l'ai filmé, parce que c'est d'une telle violence. Ça n'a rien à voir avec... avec la séquence de l'araignée et la mouche dans l'heure du berger. Sinon qu'elle a la même durée et la même... Oui, c'est non, peut-être dire quand même, je crois qu'on ne l'a pas dit, que cette cabane, c'est la cabane de chasse de ton père, au cœur d'un bois qui appartenait à ton père, dont tu as hérité à la mort de ton père. Et donc, ce qui est aussi au cœur du film, c'est évidemment que faire de cette cabane, qu'est-ce qu'elle devient cette cabane, et comment... c'est là aussi où le travail du cinéma n'est qu'une le prolongement ou la condensation de ce que dans la vie tu fais de cette cabane, ce que tu as décidé d'en faire. Comme tu dis, c'est un endroit où tu vas beaucoup, tu passes beaucoup de temps seul, comme on le voit dans le film. C'est un très beau film sur la solitude. Enfin, une solitude très, très, très peuplée. Enfin, mais c'est aussi un lieu où tu... Voilà, quasiment la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'y as amené dans cette cabane. Donc le film est aussi, il y a cette espèce de continuité de la vie comme ça, mais il y a aussi quelque chose de plus violent dans le film, qui est quelque chose de l'ordre, je dirais, d'une expiation, d'une conjuration, d'un exorcisme d'une violence qui est celle des premiers plans de chasse, évidemment. Cette cabane, elle était le lieu du massacre. Je vois, tu dis dans un texte les cadavres comme à la fin de la chasse, les cadavres comme ça, aligné sur le porche de la cabane. Et qu'est-ce que tu fais? Ben non, tu y vas tout seul, tu te filmes en train d'y manger, je crois que tu y jardines beaucoup. Enfin, il y a quelque chose dans le film qui s'inscrit de comment tu as arrêté cette cabane et tu as décidé de faire de ce lieu du massacre un jardin, pour énoncer une notion qui est aussi au cœur de ton œuvre. Il y a la maison et le jardin, cette espèce de... Voilà, comment faire du monde un jardin, comment cultiver le monde comme un jardin, pas seulement son jardin, mais ça va bien au-delà dans ton œuvre. Et il y a ça aussi, ce bois est devenu un jardin, je crois. Et quand je dis jardin, il y a ce plan magnifique aussi du chevreuil au début. Enfin, il y a les animaux, donc il y a les jardins avec une majuscule aussi, au sens de une espèce de nature retrouvée, quelque chose d'édénique. Et l'homme nu à la fin, il est à la fois, voilà, il est à la fois il fait partie de cette nature édénique, et en même temps, il est relié par le gyrophare à la photo des chasseurs, il est aussi une proie, il est aussi un animal nu. Donc, Oui, c'est là où peut-être tu disais, Christian, que le film était sombre. C'est que à la fin, la nudité rejoint quand même la mort. Vulnérabilité, la mort. Oui, c'est ça. Oui, alors que effectivement, il y a un côté très paisible aussi. Mais oui, aussi, bien sûr. Ça aurait pu être une autre fin, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. J'aurais pu vraiment finir sur la paisibilité. Mais, ouais. Mais ce que je sais, c'est que de toute façon, il y aura d'autres films. Il y aura d'autres films dans cette cabane et dans ce bois. Ça, j'en suis convaincu. Et il était vraiment important que j'y revienne et que je revienne sur cette insatisfaction de ce premier film, parce que c'est quand même la première maison, quoi. C'est quand même la première maison. Mes parents ont beaucoup déménagé, donc on est passé de maison en maison. Vatoto qui devient la maison film. J'y arrive quand même qu'en 99, avant de filmer Jean quelques années avant. Mais la cabane, c'est depuis toujours. Enfin, c'est depuis toujours. Donc... Et la Black Maria, bah oui, parce que je pense que mes premiers films, même si je pensais pas du tout en termes de cinéma, ils ont dû être faits là, quoi. J'ai dû les imaginer là. Oui, donc c'est vraiment à 3 ans, à 7 ans. Le studio de cinéma, mais même dans la. Bah oui, sûrement dans la construction mentale, psychologique, avec des histoires, des cousines qui revoient le grand-père qui vient de mourir. Ouais. Enfin bon, ça c'est. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Enfin, tu y vas à quel moment maintenant? Enfin, tu y vas pour travailler? Tu y vas pour jardiner? Tu y vas? Qu'est-ce qu'elle que? Alors, elle est passée par plein d'étapes très 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 différentes, quoi. Mais l'étape peut-être la plus importante, c'est. C'est le moment où j'ai voulu y habiter après les Beaux-Arts, en fait. Je voulais habiter cet endroit et mes parents s'y sont refusés.
Peut-être parce qu'ils avaient peur d'en être dépossédés. Et puis, peut-être qu'ils avaient peur aussi que je me marginalise trop. Hein. C'est quand même voilà, une cabane au milieu de la forêt, sans eau, sans électricité. Et du coup, moi, je suis parti fâché. J'ai acheté une maison, d'ailleurs, sans eau, sans électricité, dans laquelle j'ai vécu 10 ans, sans qu'ils le sachent quand je l'ai acheté. Et maintenant, maintenant, j'y vais de manière assez, enfin, très, très apaisée. J'ai quand même vu, il y a moins d'animaux, il y a moins d'insectes, il y a plus de menaces autour, il y a plus une actualité. Enfin, et en même temps, je me retrouve, quelque chose. Il reste quelque chose de l'Éden, ouais, enfin. Donc je retrouve ça, mais la menace autour est bien plus grande que... Puis enfant, on n'est pas tout à fait conscient quoi, du risque. Et puis il faut dire que ce risque a grandi. J'avais envie de demander à Vincent... Oui, oui parce qu'on y va... On a... ouais. Son regard là-dessus et sur le film, évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans l'œuvre de Pierre ? Ben, j'ai bien connu les deux versions du film. Ouais. J'ai bien repéré, compris tout de suite comme cette première version avait quelque chose de faux, avec un acteur qui joue trop un rôle, fait une lecture. Donc cette mise au sommeil du film a été bénéfique. Et quand est arrivée cette seconde version, comme je vois presque tous les films sur la table de montage, au moment aux premières circonstances où Pierre les montre, j'étais impressionné de la transformation, comment il a convoqué ces images d'une très grande violence, qui est les premières images. Ces images apaisées quand il est seul, à 10 ans de distance, quand on le voit de l'extérieur, depuis l'intérieur de la cabane, en train de manger, une sorte de paix que je lui connais aussi, et la présence de ces deux chiens. Tout ça, c'est un registre de la paix. Et puis, il y a le registre de l'érotisme qui arrive à la fin, avec cette image du père dont j'ai toujours entendu parler, que j'ai vu les photos, on les voit aussi beaucoup dans cette édition des livres DVD, qui était un athlète, un très bel homme, mais avec des travers qui exaspéraient Pierre, d'extrême droite ou de racisme. On revoit cet homme dans sa splendeur de chasseur avec le tableau de chasse effrayant de tous ces lièvres gros comme des chevreuils. Et c'est très impressionnant. Et la dernière scène de la nudité, dont on ne sait pas si c'est quelqu'un qui... dont on aurait pu croire que c'est lui, mais il existe des photos du père nu de dos. Comme ça, qu'on voit dans le livre, et cet homme nu qui part dans la nuit, et qui est Pierre Barré, pas Barré comme moi, mais un autre Barré. Donc une image d'érotisme qui disparaît dans la nuit. Ce film m'a beaucoup touché, c'est le dernier. Et cette cabane, eh bien, je sais que c'est le lieu, dès qu'il y a trop de pression, trop d'angoisse, trop de tiraillement, c'est le lieu du repli, de la sérénité, qu'après avoir longuement travaillé en bûcheronnant, c'est-à-dire en abattant les arbres morts, les arbres tombés, en faisant du bois, aujourd'hui, c'est un lieu qu'il plante quand il a fait... comme c'est vrai, créant un jardin, c'est vrai. Voilà, c'est un lieu que j'aime aussi. D'accord. Parce que les photos des hommes, du père et de l'oncle, je ne sais pas si j'ai fait le choix en tout cas de prendre le risque de pas comprendre que c'est une photo qui est accrochée dans la cabane depuis toujours en fait. Je voulais garder cette échelle 1 quoi. Voilà, mais. De ces figures, c'est pas une photo, c'est des êtres qui Voilà, c'est ça.
tout à l'heure que c'était ton pardon. J'ai dit tout à l'heure que c'était ton film le plus récent. Sur le plan du tournage, pas vraiment, puisque voilà, ce serait plutôt L'Avenir le dira, le film le plus récent. Je ne sais pas si tu as tourné d'autres... Non, tu n'as rien tourné depuis L'Avenir le dira. Tu n'es pas bien montré sûr, ou... Tu as tourné mais des choses. Qu'est-ce que tu crois que je fais L'Avenir le dira. Qui s'appelait Faire l'image, qui était le titre, je crois, de la programmation que voulait faire Catherine, non ? C'est pas ça du... Il me semble qu'à un moment, ça s'est appelé comme ça. C'est ce qu'elle m'avait dit, en tout cas. D'accord. Mais je me trompe peut-être. Catherine pourra nous... C'était un des premiers titres. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs titres. Il y a eu Faire l'image et Père et fils. OK. Père et fils, donc, ils sont Pierre... Et Arnaud. Barré. Si je me suis... oui. Pierre et Arnaud, Barré. D'accord, donc on vient juste de parler. Ah, ma transition était pas mal, en fait, du coup. Donc L'Avenir le dira, c'est autre chose. Là, c'est vraiment un film, on va dire. Tu dis que c'est un film sans sujet, mais on pourrait dire ça de presque tous tes films. En effet. Voilà. Je crois que tu n'aimes pas l'idée d'un film à sujet. Non. Et donc là, c'est... J'aime pas l'idée de faire un film sur quelque chose, non, ça c'est sûr. Oui. Je préfère sous, à la limite. Ou alors sur plusieurs choses. Sûr. Oui. Enfin, c'est après qu'on c'est peut après. Dire, voilà, oui, bon. Il y a des thèmes qui sortent, mais en tout cas, il n'y a jamais, au départ, l'idée de... Ouais. Donc là, au départ, alors dis-nous ce qu'il y avait au départ. Donc Pierre et Arnaud... Et je crois que tu parles du fait que c'était un moyen de gagner leur amitié ou tu étais déjà ami avec eux Alors j'étais déjà ami avec Pierre. Ouais. Depuis j'étais déjà ami avec Pierre depuis plus de 25 ans, presque 30. C'est quelqu'un qui apparaît de film en film, de loin en loin, de mes films. C'est, il joue jamais dans aucun des films où il apparaît, il ne joue. C'est plutôt une figure ou un modèle. Et donc c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. Et on s'est trouvé à un moment donné proche sur le marché à Fécamp, où donc lui, il vendait, puisqu'il ne fait plus le marché. De la volaille et des œufs et moi j'ai vendu longtemps sur le marché des fleurs et puis ensuite des fleurs et du miel et ensuite des fleurs, du miel et des DVD, des films et donc on a été comme ça des années proches l'un de l'autre et puis son fils Arnaud a repris cette partie du travail parce que par ailleurs ils produisent et cultivent du lin, pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres. C'est une entreprise, en fait, pour d'autres cultivateurs. Et maintenant, c'est Arnaud qui vient sur le marché. Et donc, on avait ce rituel avec Pierre du café avant les premiers clients. Et ça s'est renouvelé avec Arnaud, alors que moi aussi, j'ai arrêté de faire le marché et j'avais envie de rencontrer plus Arnaud, sachant que moi, je faisais plus non plus le marché. Ça passerait pas par le marché. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais suivre leur campagne de récolte de lin. Et donc, il a accepté. Donc, c'était un moyen, en effet, de rencontrer Arnaud et de prolonger cette amitié avec Pierre, son père. Mais c'est surtout que ça m'a remis dans un état des premiers films, quoi. Enfin, de quelque chose de très, très... C'est-à-dire des premiers films, cette pièce du puzzle néolibéral où je filme Yves Edouard et Patrick Hébert. Yves Edouard, pareil, qui est vraiment une personne, un ami qui revient aussi de film en film. Et en fait, faire des films avec eux en 92, 13, je ne me souviens plus, c'est aussi un prétexte pour les rencontrer et faire quelque chose avec eux aussi, surtout,
je crois. Et j'ai retrouvé ça avec Pierre et Arnaud, et c'était incroyable de, au bout de 30 ans de film, de retrouver quelque chose de vierge, quoi, de filmer comme, juste le plaisir de filmer. C'est comme ça que j'avais pensé à faire l'image, parce que c'est juste faire l'image, quoi. Tu étais seul, enfin, oui, bien sûr, complètement seul. Dispositif très simple. Ça a duré une campagne dont pendant un mois, je l'ai suivi en voiture sur des trajets complètement labyrinthiques du Pays de Caux. Arnaud me disait bon, on se retrouve à tel calvaire, donc je me perdais, je le rappelais, on se retrouvait et c'était le jour et c'était la nuit et c'était maintenant comme presque tous les étés caniculaires. Tu montais sur les machines. Oui, bien sûr, je montais sur les machines, bien sûr. J'avais même peu. Alors ça, j'adorais. J'avais quand je filme la nuque de Arnaud, de toute façon, t'as pas la place de filmer autre chose quasiment. Donc c'est formidable d'être coincé sur une machine derrière Arnaud. Donc là, c'est vraiment l'emplacement, enfin, ce que tu filmes qui a conditionné la manière de le filmer. Tu ne pouvais pas faire autrement, en fait, là, à ce moment-là. C'est ça. Coincé. Cyril. Oui, effectivement, c'est un film qui, par rapport à tout ce que tu as pu faire depuis ces dernières années, est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Comme tu dis, il y a un lieu, il y a un temps donné par une activité. Il n'y a pas de surimpression, il n'y a pas de jeu entre les... Il y a cette joie, effectivement, de filmer, de travailler un motif aussi, qui est un... Alors, on retrouve quand même le père et le fils, ce qui est un lien évident avec la cabane de Dieu. C'est pas toi le fils, c'est pas ton père, mais c'est malgré tout une histoire quand même de filiation, de choses qui continuent, et aussi de danger, enfin de danger, de quelque chose, d'une menace, quoi. Une menace qui fait que... Il y a la menace que ça pourrait ne pas continuer ou que ça pourrait s'arrêter. Je trouve dans le film qui était. C'est pour ça que le film part au tournage de ce que je pense. C'est fait au tournage de ce que tu décris, c'est-à-dire cette espèce de joie simple de filmer un peu à la Gustave Roux, le plaisir d'être avec les paysans au champ, l'été, dans le feu de l'été. Cet érotisme aussi de l'été, de la moisson, tout ça. Et après, alors, en même temps, c'est un peu une question parce que j'imagine que c'est aussi au montage que ça s'est. Que le film s'est complexifié et que le film a trouvé ce mouvement où cette espèce d'énergie magnifique, solaire du début s'épuise, le film se fige un peu et se termine sur une tonalité, enfin, se termine, descend vers une tonalité plus sombre, enfin, plus angoissée, quoi. L'avenir dira si la catastrophe écologique. L'avenir dira si cette espèce d'idylle paysanne est encore possible. Est encore possible. Et si là, je n'ai pas saisi quelque chose qui va bientôt disparaître, qui sera peut-être bientôt fini. Et ça, c'est très, très émouvant. C'est pour ça que ce qui fait le lien évident entre les deux films, c'est ce gyrophare rouge à la fin sur le portrait de Pierre, le portrait du père, donc du plus ancien, qui est à la fois le rouge, là, je le vois comme la. C'est la couleur de l'érotisme, du désir, mais c'est la couleur du danger aussi. Enfin, c'est les deux à la fois. Donc c'est un film beaucoup plus... beaucoup plus complexe, beaucoup plus plié qu'il n'y paraît comme ça, je dirais, au premier abord. Mais en effet, ça s'est complexifié au fur et à mesure du tournage, parce que on commençait à ce moment-là les grands incendies en Australie. Et puis la sécheresse, et puis cette parole de Arnaud qui nous dit l'avenir le dira, et ça vient de sa parole, ce titre. Et les lignes à haute tension. Peut-être. Oui, il y a plein de signes en effet, mais qui n'étaient pas du tout au départ de ce désir simple de les suivre. Et c'est en les suivant, en effet, que ces signes apparaissent. La centrale nucléaire, les pylônes électriques, les grands incendies d'Australie. Et là, en effet, ça devient plus inquiétant, plus sombre. Mais tout ça n'est pas prémédité.
La durée, est-ce qu'elle était, est-ce que ça aurait pu faire l'objet d'un film plus long? Parce que j'imagine que tu as beaucoup plus tourné que. Non, j'ai pas beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup. Beaucoup plus. Non, pas vraiment. Et puis. Puis c'est le temps réel de la récolte. Donc c'est vraiment sur un temps très précis. Une fois que les choses sont finies, il y a trois étapes en fait dans la récolte du lin. Il y a l'arrachage, le retournage et l'enroulage. Donc j'étais tenu à cette chronologie. Tu vois, je pouvais pas au montage, j'avais pas beaucoup de possibilités. Puisqu'il y avait cette chronologie qui était imposée, très, très simple et très évidente. Et puis je voulais pas non plus, ça pouvait pas être un film non plus trop contemplatif, parce que l'idée c'est quand même d'être dans le rythme du travail. Et oui, d'ailleurs tu dis c'était faire le travail, non, pour Pierre et Arnaud c'était faire le travail et toi c'était faire l'image. C'est ça. C'est un accord entre oui, trois. Oui. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de s'accorder à leur rythme. Mmh. Ouais. Je ne sais pas si je surinterprète peut-être, mais là aussi, encore une fois, c'est un mois, voilà, un mois, donc un temps très, très, très circonscrit, comme l'espace est très circonscrit. C'est un champ, un mois, on peut dire. Le film, mais j'ai l'impression qu'il raconte aussi l'histoire d'un pays, enfin aussi l'histoire, une histoire du travail paysan, une histoire d'un pays, et pas seulement parce que c'est le père et le fils, mais aussi c'est aussi la question de la machine, je trouve. Il y a une façon une de méthode, filmer, ouais, de, ouais, de, un tra- voilà quelque chose de, on ça pourrait très bien être, on pourrait être dans les années 60. À l'époque du grand rêve productiviste, voilà, la mécanisation, cette espèce d'amour de la machine. Et on y est toujours. Hein, voilà, on y est toujours, et on est aussi dans les conséquences de ça que l'on connaît. Voilà, est-ce que c'est juste de cette lecture-là que je peux avoir aussi, qui est un film qui aussi, de manière peut-être un peu spectrale comme ça, mais dit aussi une histoire de, enfin, une focale plus longue sur l'histoire du travail paysan, de cette terre aussi, tout simplement, et de ton, peut-être la façon dont toi tu regardes cette histoire, et notamment ce passé, enfin, qui est peut-être celui de je sais pas quel âge a Pierre Barret, il est plus âgé que toi, mais il est pas si âgé que ça non plus, mais quand même lui il renvoie à ce temps-là aussi, aux années 60. Ouais, oui bien sûr. C'est parce que dans les livres DVD là, donc édités par les éditions de l'Œil, il y a des documents que tu as gardés, donc, comme qui deviennent des dessins pour toi, où on sent un amour de cette imagerie-là, cette imagerie du tracteur, du travail agricole mécanisé de cette époque-là, de cet optimisme qui est aussi celui des couleurs de cette époque-là. Est-ce qu'il y a ça dans le film aussi? Oui. Ça crée un rythme et un son qui est très, comment dire, très, très, très prenant. Ça sent la sueur d'une certaine manière, ça sent la poussière du lin, et ce son rythmé qui est le son d'un travail intense dans lequel Pierre s'immerge, ça donne un caractère très, très, très intense au film. Il n'y a pas de vrai repos dans ce film. Oui, tu dis faire le travail, faire l'image, c'est aussi ce que tu dis, Vincent, ce travail produit une musique, produit des couleurs, produit des lumières particulières. Enfin, la poussière du lin, c'est magnifique. Tout d'un coup, on a une espèce de brume comme ça qui vient. Et c'est le chant comme un atelier aussi. Tu l'as pris comme un atelier d'un mois, où on sent qu'il y a vraiment aussi une espèce de plaisir à faire des images, oui. À fabriquer les images, à l'infinité de formes possibles qui peuvent émerger comme ça de la rencontre entre une caméra et un tracteur et deux hommes qui trois oui, hommes oui, oui.
Moi, évidemment, je ne suis pas forcément en accord avec leur mode de production. Hein, et c'est très compliqué, d'ailleurs, de ce point de vue-là, du point de vue écologique et politique et économique. Enfin, le pays de Caux, c'est pas... Il y a peu de conscience écologique, quoi. Donc je suis ami, j'ai du désir, je travaille avec des hommes avec qui je suis pas forcément en accord d'un point de vue écologique et économique, quoi. Enfin, c'est parfois pas simple, quoi. Enfin, et tu en discutes avec eux, j'imagine. Oui, j'en discute avec eux, mais c'est difficile. Mais c'est difficile, c'est difficile. Du coup, on reste quand même chacun très discret pour malgré tout maintenir une bonne relation. Mais on... Voilà. Ah oui, ça pourrait, empêcher la relation, le fait de... Oui, ça pourrait, je pense. Oui. C'est encore maintenant, ils ne sont pas prêts à entendre certaines choses Non. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Bon, alors je connais ça aussi avec les chasseurs, dont je suis avec certains très amis, alors que je déteste la chasse. Enfin, détester, je ne sais pas, c'est pas le mot, mais... Tu ne l'approuves pas. C'est très très compliqué. Non. C'est beau, ça, cette capacité à faire avec le différent politique, quoi. Enfin, lui le mettre à sa. Ne pas le nier, mais en même temps, pas non plus en faire une espèce de. Voilà. Il y a quelque chose qui prime, qui est. Qui est. Une espèce de. Je sais pas, de. D'étrange communauté pleine de désaccords et de. Et de désir et de et, d'en, et d'entraide et de enfin tout ça est très ouais. Des fois je me sens un peu lâche. Mais bon, il faut savoir ce qui est le plus fort, quoi. Faut pas que ça crée de la frustration, en tout cas. Non. En fait, de ne pas pouvoir dire ce qu'on aurait envie de dire. Mais ils savent, hein. Tu sais, on sait, quoi. C'est une intelligence qu'on sait, quoi. Oui, absolument, on le sait, on sait. Eux aussi, je crois, tiennent à cette relation, tu vois, ce serait dans un seul sens, ce serait. Tu vois, quand je suis arrivé, quand je me suis installé, tout le monde savait très bien que j'étais communiste, drogué, homosexuel, végétarien. Et puis je suis rentré au conseil municipal, quand même. Enfin, tout ça s'affichait pas comme. Je sais pas, on avait envie de s'entendre, ouais. Quoi, enfin de. Oui. Tout ça n'était pas affiché, quoi. Sur toi, quand même. Ça clignotait pas. Non, bien sûr. Côtés, quoi. Non. Non, mais ce qui a aidé tous tes films, c'est ton implication dans le travail, ton sérieux dans ton propre travail, oui. Que ce soit au conseil municipal, à entretenir le petit jardin ou distribuer les papiers, tu le faisais comme un travail. Quand tu es employé dans tous tes différents travaux, jamais on aurait entendu dire que tu es comme un artiste et tu prends les choses par-dessus la jambe. D'abord, c'est une question de Jean-François quand il t'embauche au contrôle laitier. Est-ce que comme artiste, ça vous est déjà arrivé de vous lever tôt, commencer à 5 heures, ça, c'est possible, etc. Or, tu as été, et par les agriculteurs, c'est flagrant, et ensuite, dans tous les films, c'est ton espèce de sérieux à endosser le travail comme eux endossent des travails, leur travail, qui t'a donné ces ouvertures. Tu aurais fait l'artiste, ou tu aurais été un tant soit peu dilettante, ça on t'aurait regardé du coin de l'œil. Personne n'a jamais souri, j'ai jamais vu quiconque sourire de toi dans ces environnements-là, ni pour une chose privée, ni pour une autre. Donc c'est ça qui est changé tellement les choses, d'être cinéaste, on pourrait dire, de l'intérieur, c'est-à-dire parmi eux, pas au-dessus d'eux, ni en passant. C'est ce qui a permis ce cinéma singulier et qui continue. Tu n'es pas un dilettante, en fait.
À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est de manière très, très sérieuse et complète. Bah, en tant qu'ouvrier agricole ou maintenant jardinier, en effet, je ne suis pas un dilettante. En tant qu'artiste, parfois j'ai l'impression que oui, quand même. C'est pour ça que tu ne peux pas être que artiste, parce que ce serait... Je ne serais que dilettante. Sur résoudre le dilettantisme. Non, mais comme artiste, tu joues à c'est-à-dire tu te joues de cette insécurité de l'artiste, c'est-à-dire qu'il n'est jamais sûr de lui. Oui, est-ce que ce n'est pas un refus d'assumer le statut d'artiste ? En tout cas, ce n'est pas très confortable. Mais bon, c'est pas... Le statut d'artiste ou le fait d'être dilettante ? Ah oui. Non, tu t'attaches à la perfection des cadres quand on encadre tes dessins. Et ensuite... Non, mais il est sérieux quand même, ça se voit. Tous tes films sont faits de face. C'est une tension, je trouve, un équilibre voilà, entre quelque chose de l'ordre de la régularité, de l'inscription, du travail dans ce qu'il a de... Voilà, et puis quelque chose de l'ordre de la dérive, de la fuite, de l'insouciance... Voilà, ça se, j'ai l'impression que tu avances sur ces deux jambes-là. Dans ta vie, dans tes films, dans les films. Comme sur celui de la fiction et du documentaire. Non, je pas t'en ça. Prie, je t'en prie. tu disais, Cyril, que donc on était sur une programmation plutôt fantastique, enfin plutôt et donc le premier film dans l'ordre de passage de tout à l'heure, c'était Simon at the Crack of Dawn. Simon, excuse-moi de oui, bah moi je dis tout d'un seul trait en anglais, tu vois ça. Oui, Simon. Oui, c'est pas oui. Simon at the Crack of Dawn. J'ai dit Simon déjà la première fois tout à l'heure. Désolé. Bon, pourquoi ce titre anglais, pour une part en tout cas ? Simon, il est pas, c'est pas anglais, c'est le boulanger des loges, nos amis les boulangers des loges. Et Simon est cet ouvrier ivoirien, c'est ça, que l'on ne voit jamais parce qu'il arrive à the crack of dawn, c'est-à-dire à l'aurore, et qu'il repart par une porte arrière à 11h et on ne le voit jamais. Et donc Pierre, on avait l'envie de faire ce film. Puis arrive l'invitation du musée de Louviers de faire une exposition ensemble. L'exposition a eu lieu en 2017, je crois, et elle s'appelait Le métier de vivre. Parce que c'est un musée traditionnel, il y a des salles de métiers à tisser et toute l'industrie du tissage qui était propre à Louviers, aux multiples rivières et moulins. C'est un musée dans un bâtiment du 19e avec des salles dispersées les unes aux autres. Et les unes dispersées, donc il fallait inventer quelque chose, une série de salles. Et dans une de ces salles, derrière des aménagements type art et tradition populaire des années 60, on découvre un Saint-Roch qui nous attendait presque les mains tendues, défiguré, abîmé. Abandonné, il était abandonné. Abandonné. Et donc, c'est une apparition, on pourrait dire, et qui a mis cette exposition dans laquelle on comptait mettre des œuvres qui s'appellent Ex Voto, sous le signe du soin, de la protection, de l'appel à la grâce, en gros. Enfin, en gros, non, pas en gros, de l'appel à la grâce. Et voilà deux figures qui... La figure du boulanger et la figure de Saint-Roch, patron des boulangers, patron des tisserands, patron de tout en fait, des médecins, des pharmaciens, mais aussi des boulangers. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé avec l'irruption de trois agriculteurs qui tous trois s'appellent Pierre et qui sont... à l'heure où les agriculteurs se lèvent,
pendant que le boulanger est déjà dans son laboratoire, les agriculteurs se lèvent à the crack of dawn et se lèvent. Donc les trois pierres sont couchées comme des gisants respirant à peine. Pardon, les trois pierres sont couchées, et puis ensuite on voit les champs la nuit, à différentes heures de la nuit, et on voit le laboratoire. Et puis arrive la musique de Schoenberg, Piero Lunaire, et Piero. Le film se conclut par l'apparition, on pourrait dire, de Saint-Roch qui part en mouvement dans cette pièce, comme une apparition. Les rêves d'une statue. Le rêve d'une statue. Donc il s'agit bien d'un conte fantastique, comme tu l'écrivais dans l'article sur le film, et d'un cinéma de poésie, tu disais. Oui, conte fantastique, je crois. Enfin, pas effectivement ce plan... pas final, mais qui vient en tout cas à la fin du film, tout d'un coup, cette statue, il y a deux plans. Il y a le plan où ce très beau gros plan sur la statue avec ce visage quasiment effacé, cette statue aveugle et voyante qui est filmée comme un voyant, comme un poète aveugle et voyant. Mangé comme si tout le film lèpre. Était mangé par la lèpre, oui, par la lèpre, bien sûr. Et oui, comme si tout le film était voilà, une espèce de vision ou de rêve de cette statue reléguée, que vous sortez des réserves. À laquelle vous accordez à nouveau une visibilité que vous mettez au cœur d'un film, c'est pas rien, et donc le film s'enroule autour d'elle et finit par être comme son rêve, quoi, et c'est un rêve fantastique parce que, enfin, nocturne, fantastique, il y a une puissance nocturne qui est commune aux trois films de la séance aussi, hein. L'avenir le dira, commence la nuit, commence par l'apparition de cette créature étrange, monstre. Voilà, dans la nuit. Toujours pareil, voilà, la vie, la mort, la vie après la mort. Comme tu l'as dit, Vincent, ces trois pierres qui dorment sont comme des gisants. Et ils vont finir par se lever comme les trois pains lèvent dans le four du boulanger. Enfin, ça, c'est... Et la transmission. Il y a une autre transmigration, c'est plus les animaux, il y a les pains aussi. L'âme des pains qui... Et la transmission, tu dis la filiation ? Oui. Les trois pierres. Les trois pierres. Les trois générations. Trois générations de pierres, effectivement. Pierre Lambert. Ouais. Le Pierre Lambert qu'on voit dans le film Sur la voie. Sur la voie. Et Simon, comme on le sait, c'était le Simon-Pierre, hein, dans la Bible, le premier apôtre du Christ. Ah. Simon-Pierre. Donc, Pierre et Simon, c'est... Simon est un autre Pierre. C'est une façon. Ouais. Peut-être tu peux parler du... Les trois pains, ça renvoie voilà, à la couverture notamment de ce livre DVD qui rassemble vos travaux communs. C'est quelque chose qui était Oui, c'est précieux. Ces trois pains... Pour moi, c'est une longue histoire, puisque je suis sculpteur et dans ma sculpture, je cherche quelque chose qui soit habité, mais qui soit secret. Donc, ces formes abstraites ne sont pas une abstraction lyrique quelconque, c'est une abstraction des formes, difficilement repérables du quotidien. Or, en dessinant les hiéroglyphes égyptiens et en comprenant les listes des offrandes et tous les noms attachés au pain l'alimentation ou les rites funéraires égyptiens, j'ai dessiné. J'ai repéré quel est le hiéroglyphe correspondant au pain, à un des pains, parce qu'il y en a des dizaines. Et très tôt est arrivé ce dessin des trois pains, des pains égyptiens, trois pains. Donc ces formes de cupules qui se superposent l'une l'autre comme si elles décollaient, c'est une des choses qui ont été une constante dans mon inspiration de sculpteur et de dessinateur dans mes monotypes. Et en filmant,
ça encore d'une manière pas préméditée, mais il fait des gros pains ronds et on les filme, les trois pains en enfilade, ce qui reproduit cette perspective inversée du plus gros pain. Et on les voit enfourner ses pains, défourner ses pains. Ça devient un des moments clés dans le travail de la boulangerie. Ce pain a quelque chose à voir avec ce goût des voyages dans des lieux désertiques, comme on l'a ensuite refait ensemble, tant au Shetland que dans l'Himalaya, des endroits rares en nourriture, en abri, en communique, rares en personne, rares en parole, où l'eau, le pain prennent une dimension biblique. Et c'est ce qu'on a aimé. On est loin de ces dispositifs d'abondance. C'est au contraire cette parcimonie qui nous nourrit l'esprit. Oui, la parcimonie, ça nous convient à tous les deux. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout fait allusion, enfin, en fait, à ton rôle, Cyril, dans le travail également de Pierre et Vincent, puisque vous êtes rencontrés. Alors, ce serait peut-être bien de parler un petit peu de la manière dont vous vous êtes rencontrés, du fait que vous soyez mis aussi à travailler ensemble. C'est intéressant aussi pour connaître un petit peu votre manière de faire à tous les deux. Tous les trois, parce que tous les trois, pardon. Ouais, ouais. On invente au fil des ans des modes de travail ensemble, à deux, à trois, à quatre. On se connaît depuis le secteur 545. Au FID. Cyril, tu faisais partie de l'équipe du FID à ce moment-là, l'année suivante, l'année de... Voilà. Mais tu as écrit sur le secteur pour les Cahiers du cinéma, voilà. Au Cahiers du cinéma. Ouais. Et puis on s'est rencontrés assez vite. À ce moment-là, parce qu'à l'époque je m'occupais aussi de Vertigo, la rue Vertigo, et on voulait faire un numéro sur le travail des cinéastes, sur les cinéastes qui travaillent de manière singulière, qui inventent leur façon de travailler. Et puis bon, moi, j'avais écrit sur le secteur, j'avais sûrement vu déjà des tours, et on s'était rencontrés malgré tout. Moi j'ai oublié où on s'est rencontrés. Toi, t'as le souvenir d'un trajet nocturne sur l'autoroute vers Matto, je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu ce moment où moi je me souviens très très bien. Enfin, c'est peut-être parce que c'était tellement fort que ça a fait origine pour moi de notre relation et amitié. C'est l'entrée dans la maison. L'entrée dans la maison de l'heure du berger, l'ébranlement très profond, je crois. On parlait à l'instant de frugalité, de parcimonie, d'entrer dans cette maison, ce lieu que j'ai tout de suite ressenti comme assez magique, avec une puissance liée effectivement à quelque chose de l'ordre de la sobriété, d'un effacement, d'une... Je crois que j'ai ressenti ce que tu dis dans La vie après la mort et l'heure du berger, c'est-à-dire je n'habite pas cette maison, j'habite où Jean-Lambert n'habite plus. C'est-à-dire une espèce d'habitation d'autant plus puissante qu'elle est en retrait, qu'elle est presque négative. Une habitation qui n'est pas une installation quelque part. Et donc cette maison, c'était très très saisissant. Voilà. Et du coup, tous ces... Je ne sais pas, ces parties-là, cette maison est devenue, pour moi, voilà, un lieu important où j'ai besoin de retourner pour quelque chose de... Quelque chose qu'on sent dans les films, hein, quelque chose d'apaisant, d'un baume, de réparateur. Hein, on parlait de soins, de réparation. C'est dans les films parce que c'est très très fort dans ce lieu. Tu le connais aussi, Christian. Et on a plaisir à le revoir dans les films quand on le connaît un peu mieux aussi. On a plaisir à le découvrir quand on l'a vu auparavant. Et puis, il y a un cercle. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Bah après, c'est l'amitié. C'est le voilà. Tu m'as montré des films. L'amitié et le travail. Et le travail. L'amitié au travail, le travail à l'amitié. Comment on passe de l'un à l'autre alors entre de l'amitié au travail. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ?
Et comment ça s'est fait dans un premier temps ? Ça a commencé par le travail, puisqu'au départ, moi, je venais comme critique rencontrer un cinéaste. Ouais. Ça a commencé par un travail d'écriture, de reportage. Sur un... L'amitié, ça, qu'est-ce qui fait que très vite, ça devient de l'amitié ? C'est comme ça. Et après, mais je voulais dire le travail sur les scénarios ensemble, comment ça s'est enclenché, ça ? Ça, c'est Pierre qui je ne sais pas, invite... encore une fois, il y a des films que tu m'as montrés en fin de montage. J'étais parmi les premiers à les voir parce que voilà, un moment où les choses se règlent. Et, comme L'heure du berger. Comme L'heure du berger, par exemple. Voir, je pense. Et après, il y a eu Manékerville. Mmh. Tu m'as proposé de participer d'une manière à l'écriture du scénario. Ouais. Pourquoi ça t'appartient ? Je n'ai pas demandé à Pierre pourquoi. J'étais très, très heureux de ça, en tout cas. Mmh. Et puis. Voilà, là, tu m'as à nouveau demandé de rejoindre l'équipée Creton-Barré-Girard. Absolument. pour l'écriture d'un film à venir. Mais avec Vincent aussi. Vincent m'a aussi demandé, on a aussi travaillé pas mal avec Vincent tous les deux sur des expositions importantes, des catalogues. Tu m'as confié des textes importants dans les catalogues d'expositions monographiques, notamment ce très très beau moment de collaboration au Havre, au musée André Malraux. C'est. Et alors, il y a eu ce très, très, très beau livre là, dont je me suis beaucoup servi depuis quelques mois pour préparer la rétrospective. Enfin, voilà, j'ai dû le lire 2-3 fois. C'est très. Voilà, c'est un très beau. C'est pas seulement un livre sur tes films, je trouve que ça va plus loin que ça. Et c'est un dialogue. Que vous avez établi entre vous deux, je crois que c'était en 2010, ou je crois que c'est édité en 2010. Oui, je crois que c'est ça, c'est l'occasion d'une rétrospective de tes films la CRIF, dans le réseau de la CRIF. Ouais. Donc cultiver, habiter, filmer. Est-ce qu'il existe encore ? Oui, est-ce qu'il est encore édité ? Oh, y a encore plein. En tout cas, moi j'ai pas mal d'exemplaires. Je sais pas, il a jamais eu de distribution officielle, vraiment, de diffusion officielle, ce livre, puisqu'il a été fait. Mais oui, il existe encore, on pourrait le diffuser encore. Mais c'est un livre, voilà, c'est aussi cultiver, habiter, filmer. Bon, je crois que le titre parle de lui-même. Et c'était le parti, effectivement, pour ce livre de suivre... Parce que pour Pierre, le fil de la filmographie et le fil de la vie sont absolument dissociables. C'était très, très simple de prendre comme trame du livre la succession des films, puisque ce n'était pas seulement la succession des films, c'était aussi... raconter la vie en même temps. Mmh. De manière, la vie, c'est les lectures, les rencontres, les amitiés, les livres, les gens, les rencontres qui font que des films, encore une fois, poussent. Ce serait bien de pouvoir faire une suite. Ça s'est arrêté assez tôt, depuis les films. Je ne sais plus où ça s'arrête d'ailleurs. Ça... Une bonne idée, Christian. S'arrête à N'avons-nous pas toujours été bien. Ah, c'est ça, oui, voilà. Ouais. Oui, non, c'était assez frustrant de ne pas avoir la suite de la conversation sur les autres films. Ouais. Ça va se faire. Ouais. Ça va se faire. Mais je dois... dans le cinéma, c'est entendu qu'il y a la communauté des gens qui travaillent ensemble dans le cinéma, que les équipes sont... Les équipes sont plus importantes. C'est rare qu'on soit seul au cinéma. Pierre arrive à faire des films seul, monter seul, les tourner dans la l'invisibilité, c'est-à-dire la discrétion. Même quand on est à côté, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est plus rare au cinéma. Dans les autres arts plastiques, la sculpture notamment, oui, il y a un peu d'entraide, mais on est essentiellement seul. Et là, le fait de pouvoir... Dans toutes ces manières de travailler, il y a toujours quelqu'un ou quelques-uns privilégiés qui ont le premier regard et qui, sans forcément beaucoup raconter, commenter, vous disent « ça va, ça va pas ». Vous aide à boucler le site. C'est très vrai dans les ateliers. Je repense à ta première visite à mon atelier à Montargis. Quand on parlait de poser les choses
ensemble dans un atelier comme le peintre pose pour une nature morte. Hein, pour Le Havre, c'était en évocation d'une très belle nature morte de Stotskov qui sont au musée. Et tu m'as dit, c'est déjà là, c'est déjà fait. Moi, je me tordais la tête en disant comment je dois poser les choses pour que ce soit comme une nature morte. Il arrive, il dit, c'est là. Et facile. Là, je souffle. Ça veut dire qu'on a besoin, et c'était pour en revenir à la présence de Cyril dans tout ça, comme à notre présence les uns à côté des autres. Il y a un moment où ça nous aide à prendre conscience que les choses sont là, la chose est faite, ou qu'on a touché quelque chose. Et parce que tant que... très, très souvent, la question revient, à quel moment savez-vous que l'objet, la sculpture, la peinture est finie, ou le film, savez-vous qu'il est fini? Ben, à un moment, on sait qu'il est fini. Mais il y a un moment, quelqu'un doit dire stop aussi. Décider pour toi, en fait, presque. Décider, reconnaître en tout cas, oui. Que c'est là. Reconnaître. Oui. Et donc, on a eu longtemps cette manière de travailler ensemble, Cyril intervenant plutôt après coup. C'est-à-dire, quand les choses sont en train d'être achevées, et là, il nous aide à voir tout ce qu'elle contient, comme tu viens de le faire encore là. Maintenant, Pierre l'invite sur un nouveau scénario, sur un nouveau projet d'exposition, à travailler ensemble, et là, à bâtir une vision ensemble. Est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec le fait que j'ai l'impression que tu n'assignes pas de rôle, c'est-à-dire que toi-même tu n'as pas de rôle assigné, tu as des activités diverses et tu travailles avec des personnes qui ne sont pas scénaristes de profession, on va dire, si ça existe. Ça peut m'être reproché. Hein. plus ça m'est reproché, moins j'en ai envie, oui, ouais. Plus je le cultive, ouais. Je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil pour les... Moi, j'ai appris que dans Le Bel Été, je t'ai dit l'autre jour, j'étais persuadé que la personne qui jouait ton rôle devait être un comédien, et en fait, pas du tout. Donc, il n'y a pas de vrai comédien au sens où, voilà, où on l'entend, pas de vrai scénariste au sens où on pourrait l'entendre. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, j'étais étonné de voir Pierre Trividic au générique de Vatoto, c'est ça ? Parce que finalement, lui, on pourrait dire que c'est un pro, on va un dire, consultant. Un vrai scénariste. Et voilà, c'était presque une exception, on va dire. Oui, oui, Pierre Trividic, il était consultant, puisque j'avais obtenu une aide à l'écriture du CNC, et donc il est possible dans ces cas-là de faire appel à des co-auteurs, scénaristes, co-scénaristes ou consultants. Et donc j'avais fait appel à Pierre Trividic, oui, en effet. Ouais. Alors c'est très particulier la façon dont Pierre Trividic est resté dans Va Toto. Comme Pierre Trividic est quelqu'un de très intelligent, très brillant, qui parle très bien et beaucoup. Je lui ai demandé si je pouvais enregistrer la conversation, parce que moi je suis très lent et je savais que je retiendrais rien. Et donc je l'ai enregistré et en fait j'ai utilisé son retour sur le scénario pour faire parler le conseil municipal dans Va Toto, qui est très critique à l'arrivée, enfin hostile à l'arrivée de Toto. Voilà. Du coup, ça a été. Je suis très très content. C'est une collaboration, si je puis dire, réussie, mais fructueuse. C'était une séance avec lui. Enfin, oui. Ok. Mais ouais, ce que tu dis, c'est quand même très important. Je pense qu'on est. C'est ça aussi le. Je crois le grand bonheur de cette voilà de cette ce cheminement, c'est qu'on est on n'est pas assigné à des rôles ou à des fonctions. Enfin, c'est quand même important, je crois. Ouais. Mais je. Dieu soit loué, j'ai pas l'impression d'être un critique qui. Non pas que je le renie, parce qu'il y a quelque chose de ça, et au contraire, cette passion critique, elle est stimulée vraiment par ce compagnonnage et par le cheminement des œuvres aussi.
mais c'est bien sûr pas que. Enfin. Oui. Et si je te le demande, comme je peux le demander à Mathilde, pour comme sur la voix ou peut-être comme ce qu'on est en train d'écrire, enfin tu sais bien que c'est pas tout à fait ça, quoi. Tout à fait ça. Bah, mon invitation n'est pas celle de t'inviter comme critique. Exactement. Que comme exactement, critique. C'est pas. C'est bien. C'est bien. Le texte que Cyril a écrit dans Images documentaires pour Catherine Blangonnet a déclenché pour moi quelque chose sur mon nouveau désir de ressolliciter Cyril sur ce nouveau projet. Je trouve que dans ce texte, il se passe quelque chose. Oui, on n'a pas parlé du texte écrit pour Images documentaires qu'on a oublié d'apporter. On aurait dû le montrer. Qui est assez récent du coup et qui portait, je crois que j'avais pris des extraits de ce texte pour La Cabane de Dieu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Enfin, je sais pas commenter mon texte. Non, peut-être les circonstances étaient. Ouais. Ça c'est aussi quelque chose qui est pas toujours facile, c'est que ça fait longtemps effectivement que en tant que critique j'écris sur tes films. Et que j'adore ça, cette fidélité, c'est très beau. La critique, souvent, c'est du. Voilà, il y a ce côté. Et tu as écrit un nouveau texte pour les livres DVD aussi. Voilà. Oui, il y a un nouveau texte plus récent là, pour les livres DVD. Mais voilà, il faut trouver une façon de varier les angles, de faire que. De ne pas être simplement justement, une position critique qui suit les films. Mais quelque chose qui grandit aussi, dans le travail que je peux faire d'écriture et qui me surprend moi, enfin aussi qui me fait avancer tout simplement. Et à chaque fois, donc c'est l'invitation de Catherine était l'invitation d'écrire un texte sur la notion de nature, parce que le dossier thématique de cette livraison d'images documentaires s'appelle Nature et est consacré à la notion de nature et voilà la notion de nature, alors que donc j'ai emprunté à Jean-Christophe Bailly et donc à Novalis et Romantique Allemand une idée de la nature qui me paraissait être une manière d'écrire différemment, de toucher quelque chose d'essentiel au cinéma de Pierre et d'écrire différemment dessus. C'est-à-dire que la nature, ce n'est pas un contenant, ce n'est pas un paysage, ce n'est pas quelque chose dans lequel que l'on contemplerait. C'est quelque chose c'est un tissu de relation. La nature est la somme de tout ce qui nous touche. Comme dit magnifique, comme écrit magnifique, novaliste, mais très très puissante, où la nature est la communauté merveilleuse à laquelle nous introduit notre corps. Et je trouvais qu'entre ces deux phrases de novaliste, encore une fois, c'est Bailly hein, qui leur a donné tout leur poids récemment dans ces textes, mais il y avait là quelque chose qui. Cette nature-là est bien celle que tu ne filmes pas, parce que justement on la filme pas cette nature, on la tisse, on l'entretient, on la cultive, en faisant des films. En fait, alors là on est vraiment en pleine improvisation, mais je crois que dans ton texte j'ai presque reconnu Pierre-Joseph, plus que Pierre Creton peut-être, c'est peut-être ça qui m'a plu. Je retiens. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir votre nouveau travail qui en est qu'à ses débuts, je crois, d'écriture. Oui. Voilà, on va falloir attendre un petit peu. Et... Il y aura d'autres films avant. Ah, d'accord. Très bien, alors. Des films sans écriture. Très bien. Bah, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, on peut clore là-dessus, Vincent. Non. Te remercier. Remercier le festival. Merci à vous surtout. Remercier Catherine, qu'on l'a représentée aussi bien que possible. Remercier Catherine Blangonnet et Catherine Bizerne, évidemment. Bien sûr. Qu'on ne remerciera jamais assez, sans qu'ils ne sauront rien. Nous saurions rien, pardon. Non, quand même pas. merci Vincent. Merci Pierre. Merci Cyril.